monde, ici Marika Lemay pour la magie des étangs.com. Je vous montre aujourd'hui très rapidement un super kit de projet qu'il y a en page 33 du catalogue des fêtes de Stampin' Up. Alors, je vous montre, parce que j'ai oublié de le faire au début, je vous montre tout ce que ça comprend. Alors, vous avez tout le nécessaire pour confectionner 20 cartes, donc 20 bases de cartes, 4 modèles, donc 5 de chacune, et vous avez tous les embellissements pour aller compléter ces cartes-là. Donc, vous avez même 20 belles enveloppes dorées avec une bordure dorée qui sont très, très jolies. Et avec ce kit de projet-là, vous pouvez au choix ajouter le jeu d'étampes ici, vœux classiques, qui a été fait pour aller avec et qui est sublime. Ce sont des beaux vœux qui ont deux types de calligraphie. C'est très, très populaire, très tendance. Et puis, des petits éléments qui vont vous permettre de rajouter des accents à ces cartes-là ou à d'autres projets de Noël. Alors, moi, je n'avais pas pensé à commander le jeu des tempes. Donc, je trouve que le résultat est moins joli que prévu. Mais vous allez pouvoir voir ce que ça a donné quand même. C'est vraiment un coup de cœur pour moi. Dans le fond, quand vous achetez un kit, vous avez qu'à fournir les adhésifs. Et vous avez toutes les belles photos en couleur pour vous montrer c'est quoi les différentes étapes. Vous avez même des instructions. La plupart du temps, on n'en a pas besoin. Et puis, j'ai oublié de vous montrer quelque chose. Dans le fond, les enveloppes, elles sont même déjà toutes doublées, sont imprimées comme ça. Vous en avez des deux types, en plus des belles bordures or. Donc, pour les fêtes, je trouve ça complètement génial. Alors, ça, là, c'est bon, là, si vous voulez faire un après-midi ou une soirée entre amis pour faire vos cartes de Noël ensemble. C'est vraiment pas compliqué. Et puis, dans le fond, je vais vous montrer chacun des modèles. Comme je disais, j'ai choisi des vœux dans quelques-uns de mes jeux d'étampes de Noël, mais le jeu d'étampes vœux classique qui est coordonné, ça aurait été encore plus beau. Alors, vous avez même des petits cristaux du Rhin qui sont colorés en vert et puis en jaune pour aller répéter le doré. Alors, je l'ai fait ici dans les deux sens. Donc, vous en avez 5 comme ça. Et regardez même l'endo. Ça fait très, très joli. Vous pourriez vous servir de ces étampes-là ici qui sont dans le même style pour aller étamper à l'intérieur de vos cartes et coordonner le tout. Donc, on en a 5 autres ici qui sont dans ce sens-là. Et vous allez voir, quand vous allez les recevoir, sur la base de carte, il y a une ligne qui nous montre exactement où aller coller. Donc, c'est vraiment... Vous pourriez donner ça en cadeau à un professeur. Il va juste y manquer de la colle. Puis ça, les profs en ont amplement. La gardienne, aux personnes âgées qui s'ennuient, elles pourraient bricoler leurs cartes. Je trouve ça tellement génial parce qu'elles sont vraiment belles. Elles vont faire jaser. Donc ici, encore de la dorure. C'est de toute beauté. Et puis la dernière ici, qui n'est pas piquée des verres non plus. On adore ça, hein, l'effet aquarelle et regarder en arrière. Donc, c'est vraiment un kit à se procurer avant qu'il n'en reste plus, là. Procurez-vous-le. Donc, c'est le kit de projet, puis vous pouvez aussi ajouter au choix le jeu d'étampes vœux classique. Si vous voulez plus d'idées, allez sur la magie des étampes. Dans la colonne de droite, il y a une catégorie Noël. Vous en avez pour des heures et des heures de plaisir. Bonne journée!